Bonjour, je suis Sunshine Intuitif Tirage et je vais vous faire un tirage et une lecture intuitive spontanée. Ça veut dire que ça pourra vous parler quand vous regardez la vidéo. Donc, je prends un petit le dormant, The Little Cute, donc en anglais. Tirage en trois cartes. Déjà, il y a cette carte qui veut parler. Cette carte-ci. Donc, pour un message spontané, tirage spontané, lecture intuitive, spontané. Allez, quatre, parce qu'il y en a quatre qui veulent parler. Donc vous avez le chemin, l'étoile, la lune et les souris. Donc au niveau du chemin, ça veut dire qu'il va falloir tracer votre route. Il va falloir trouver le chemin à suivre. Donc vous avez plusieurs choix. Donc il faudra choisir le chemin qui vous convient le mieux. Que ce soit au niveau travail, familial ou amical. À côté, vous avez l'étoile, donc vous avez le succès, donc ça veut dire que vous allez réussir dans le chemin que vous allez choisir. Et à côté, vous avez la lune. Donc la lune, c'est les intuitions. Donc il faudra suivre vos intuitions par rapport au succès que vous allez avoir et par rapport à ce chemin qu'il va falloir suivre. Vous avez par contre les souris, donc il y aura un peu de stress, mais tout ça va se dépasser parce que vous avez le succès. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre... Oh là là, ça fait trop. Il y a une carte déjà qui vient de partir. Hop. Donc vous avez le succès, donc c'est génial. Allez, une carte encore pour le message intuitif. Cette carte-là. Allez, on va en prendre une troisième. Voilà, celle-ci. Donc, vous avez pour ce message spontané l'homme, d'accord, la distance, ok, la jalousie. Alors là, honnêtement, ça prédit quelques difficultés parce qu'il y a la distance, ça veut dire que ça peut être une relation à distance, ça peut être un homme qui travaille loin, qui n'est pas souvent à la maison. Et donc, il y a de la jalousie. Ça peut être un homme qui est en déplacement pour des problématiques familiales, pour des réunions familiales. Donc, il y aura de la distance avec l'homme avec qui vous êtes. Donc, ça sera à votre conjoint. Mais il y aura de la jalousie. Donc, la jalousie, ça peut venir d'une personne autour de vous ou ça peut venir de l'homme qui sera distant. Avoir, mais ça peut être la jalousie par rapport à ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, même des personnes que vous croisez souvent dans la rue et qui sont jaloux de vous, tout simplement. Mais en tout cas, la carte au milieu, c'est la distance, donc il y aura des déplacements. Et c'est un homme qui va se déplacer parce qu'il y a l'homme juste à côté. Donc, je prends le petit oracle de l'intuition. On va prendre quelques cartes. Hop, celle-ci. Celle-ci.
celle-ci et une dernière ou deux, voilà, deux autres. Alors, pour ce message spontané, vous avez l'automne, d'accord, la communication, ok, la création, ok, et l'élévation. Donc ça, c'est super. Donc automne, ça veut dire qu'il y aura un changement en automne. Mais d'ici là, pour ce message spontané qui prévaut pour le moment où vous lisez la vidéo, où vous l'écoutez, il y aura de la communication. Donc ça, c'est super parce que pour un homme qui est à distance juste au-dessus et pour les projets que vous avez, pour le choix de la, du chemin que vous avez et pour la réussite, vous avez la communication. Donc ça, c'est super. Vous avez la création. Donc vous êtes quelqu'un qui entreprend la créativité. Donc ça, c'est génial. Donc ça veut dire que vous allez créer soit une entreprise, soit quelque chose de manuel, une activité manuelle, ça peut être du tricot, ça peut être création de bijoux, etc., etc. Mais il y aura de la création ou création d'un contenu YouTube, pourquoi pas. Et à côté de cette création, il y aura l'élévation. Donc ça veut dire que cette création, grâce à la communication, vous allez être en élévation. Ça veut dire que vous allez être dans un côté bénéfique de la chose. Ça va vous faire évoluer. Ça veut dire que l'élévation, c'est quand vous prenez plus d'assurance et que vous avez beaucoup plus de succès pour le coup. C'est pour ça que vous avez eu la carte le succès dans le dormant. Et comme il y a un choix à choisir au niveau des chemins dans le dormant, là, vous avez la création et l'élévation, donc vous allez réussir. Malgré qu'il y aura quelques crispations au niveau des souris, de ce que disent les souris. Je prends le petit oracle des anges. On va tirer une ou deux cartes. Ça sera deux cartes. Alors, vous avez inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. D'accord. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, on vous dit avec l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. Quand vous êtes dans la création, C'est sûr que vaut mieux ne pas avoir peur de l'inconnu parce que ça sera toujours quelque chose de nouveau que vous allez faire quand vous créez quelque chose. Donc, je prends les portes de l'intuition, une ou deux cartes. Ça sera cette carte. Elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, c'est un lien avec le petit normand, le chemin. On vous demande de vous positionner. Et puis comme ça, l'autre saura sur quel pied danser. Pour le côté sentimental, je prends le nouveau jeu de cartes oracle que j'ai commandé, l'améthyste love. Alors, il y a beaucoup de cartes dans l'améthyste love, puisque vous avez un jeu de cartes et après il y a deux extensions à commander. Première carte, deuxième carte, et on va en prendre une troisième. Troisième carte. Alors, vous avez jeune femme superficielle, personne fausse, pause. Donc en amour, si vous regardez ce message, ça parlera pas à tout le monde.
Mais vous avez une personne fausse autour de vous, une jeune femme qui est superficielle et qui est fausse. Ça peut être un homme, parce que si vous êtes homosexuel ou si vous êtes vous-même une femme hétérosexuelle, donc la personne fausse, ça peut être un homme. Et donc, on vous demandera de faire une pause. Il faudra prendre du recul pour mieux appréhender l'autre personne. Ou alors, la personne fausse, ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur du couple qui va semer la zizanie entre vous. Donc, il faudra faire attention. Il ne faudra pas oublier qu'à côté de l'homme et de la distance, vous avez la jalousie. Donc, ça peut être par rapport à votre relation, qu'elle soit nouvelle ou longue, une personne jalouse de votre couple. Ça, c'est possible. Voilà, sur ce, je vous montre les cartes. Voilà. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou liker la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez aller voir au mois de mai et au mois de juin les signes astrologiques, votre signe astrologique, votre signe lunaire ou ascendant. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.